Monsters Abundance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 sur la ferme Limousine. Et cette fois-ci, on va attaquer du sérieux parce que l'épisode 6, que vous aurez naturellement déjà vu avant d'avoir vu celui-là, sinon il y a quelque chose qui tournerait pas rond. J'étais heureux de vous annoncer que j'avais trouvé la solution pourquoi est-ce que je laguais comme un gros cochon, excusez-moi d'expression, sur la ferme Limousine. Maintenant que la solution est trouvée, eh ben, on va pouvoir tout simplement jouer convenablement sur cette magnifique carte. Donc dans un premier temps les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des vaches. Alors vous allez m'entendre branler mon G710 plus, mais on n'a pas le choix. Donc je pense qu'on va partir sur une centaine de vaches sur la ferme Limousine. Ça peut être intéressant, je pense. Ouais, 100 vaches, ça peut être pas mal pour un début, disons-le comme ça. Ouais, 100 vaches pour commencer, je pense que ça peut être cool. Alors je sais, hein, faut pas être épileptique parce que là tu regardes l'écran, tu fais une crise d'épilepsie sans... tout seul en fait. Allez. Impeccable, 100. On achètera ça et ça un petit peu plus tard. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le commencement. On va nourrir nos vaches, ça sera déjà très bien. J'ai déjà passé les vaches. Ah oui, là. Par contre, des fois, je comprends pas pourquoi t'as l'impression que c'est bugué comme ça. Donc, il faut naturellement de l'eau. Non, ça, c'est lisier fumier. Il faut la ration mélangée, de l'ensilage, de l'herbe, de l'eau et de la paille. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec notre merlot. Par contre, je vais prendre ma manette pour jouer avec le merlot. Hop. On va tout simplement commencer par... par la paille, on va... Oula, doucement, t'énerve pas. T'énerve pas, j'ai dit. On va commencer par les paillers. C'est cette touche? Non. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Hop. On va rentrer le bras. Oh putain, j'ai pas vu le poteau. Hop, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pailler. On va foutre ça dans le Renault. On va pas mal pailler. Hein. On va leur pailler au moins 4-6 bottes sans problème. Oh là. Voilà, c'est dans la pailleuse. Nickel. On va monter dans notre petit Renault. Oh là, putain, ouais, il fait la gueule avec les bottes. Hein. Alors, attendez. C'est B pour orienter la goulotte. Voilà. Nickel. Allez, on est parti. Bon, on va pas y aller trop vite. Hein. Parce que mon Renault, là, je vous avouerai que... il fait un petit peu la gueule. Avec deux bottes, là, au cul. Il fait un peu la tête. Alors, on va ouvrir la porte. Ah ouais, je savais même pas que c'était cette touche sur ma manette. Je viens de découvrir sur ma manette comment ouvrir. C'est LB, B, pour ouvrir la porte, en fait. Doucement, pitié Renault. Allez, on est parti. On est parti. On paille, les amis. Impeccable. Nickel chrome. Donc là, on va encore en mettre, hein, de toute façon, comme je vous ai dit. Ah ouais, là maintenant, il est beaucoup plus léger, mon tracteur. Hein. Putain. Impeccable. Moi, il va bien, ce petit Renault, pour la pailleuse. Il n'a pas besoin de plus gros, hein, franchement. Voilà. Hop, impeccable. On va monter de nouveau dans notre merlot. Alors déjà que là il fait la gueule, je vais pas tenter de mettre 4 bottes, hein, ça je peux vous l'assurer. On va se contenter de 2 bottes dans la pailleuse, ça sera déjà assez. Et je pense que c'est suffisamment, hein, c'est... non, Marcel, fais pas l'idiot, voilà. C'est déjà suffisamment. Hop, impeccable. C'est déjà suffisamment dans une pailleuse, parce que des bottes carrées, j'ai rarement vu quelqu'un en foutre 3 ou 4 dans une pailleuse. Hein.
pense que 2, ça suffit amplement. Hop. Ouf. Waouh. Faisait un peu. Oh, ça va encore. Ce qu'on va faire, on va se préparer. On va tout de suite sortir les deux là. Voilà. J'ai posé mon truc par terre. Hop. Attention. Oula. Ah ouais, là j'ai encore le poids plus loin en arrière. On va y aller cool. Ouais, oh, bougez pas, bande de connes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire jusque là-bas, donc vous allez pas me faire un coup de pute, hein, ça je vous préviens. Vous allez rester sage. Oh putain, alors là, la montée, les gars, je la sens pas du tout. Ça va, c'est passé. Allez. Bazar de la sauce. Nickel. Impeccable. Alors, on regarde. On est à 10 000. Ouais, on va encore en mettre 2. Donc, ça fera 15 000. Ça sera pas mal. Hein. On va pas trop non plus abuser. Parce que 15 000, c'est déjà largement suffisant. Alors là, ce qu'on va faire, on va tenter de faire un truc. Hop. Non, ça va pas le faire, ce que j'ai voulu faire. Enfin, quoique. Putain, j'ai peur, les gars. J'ai pas baissé le bordel. Oh, ça passe. Il a fait un petit peu un deux roues, mais ça va. Ça va le faire. Allez, là, je peux rouler un peu plus vite parce que je les ai mis suffisamment en avant. Bah, en fait, si vous voulez, ce qui est un peu mal fait, là, c'est que normalement, en vrai, une pailleuse de ce style, quand vous mettez des bottes carrées, et bah, le bordel qui tourne devant, que vous allez voir dans un peu plus tard, bah, en fait, ça gobe, enfin, ça bouffe la botte. Et en fait, la botte carrée, bah, automatiquement, va vers ce truc-là. Donc, à un moment donné, quand la botte commence à être bouffée, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu refermes la porte pour emmener plus de paille à la goulotte. Mais là, tu peux pas parce que... Bah, qu'est-ce que je me fais? Parce que quand t'arrives à zéro, bah, la botte disparaît. Donc, tu peux pas te dire tu refermes le truc, quoi. La seule fois que j'ai voulu refermer la porte avec une botte carrée, je me suis envolé avec le tracteur parce que ça a fait bugger complètement la machine derrière. Donc, je vais pas trop... Hein, on va pas trop faire les cons et tenter le diable. Donc là, maintenant, disons que ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre pailleuse. Voilà. On va mettre notre mélangeuse. Impeccable. Hop. On va emmener la mélangeuse là-bas. On va la laisser ici, peut-être. Voilà. Et là, première étape, comme vous avez pu voir, j'avais fait de l'herbe. Qu'on va leur donner tout de suite en direct dans leur bordel devant là. Bien sûr, je me bouffe le pneu. Hop. Hop. Putain, ce que je tente là. Hop. Ah bah si. Hop. C'est parti. Allez, c'est parti, on décharge. Comme ça, elles auront déjà de l'herbe comme ça. Il faudra qu'on aille en... faudra qu'on aille en recouper un petit peu pour les cochons. Si déjà, je préfère la couper en direct et leur donner, donner un petit peu aux cochons comme ça. Ça change de servir de botte de foin, en fait, pour ça, quoi, tu vois. Là, ça fait vraiment réel pour ceux qui aiment bien ça. Parce que là, t'arrives, tu vas couper ton herbe fraîche, tu leur donnes, tu vois. Que du foin c'est censé être sec, alors mettre du foin dans la mélangeuse et leur donner, ça fait un petit peu pas trop réel, on va dire quoi. On fait un peu con, on va plutôt dire ça comme ça. Bah voilà, impeccable. Donc du coup, l'action, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le mettre là. Prêt à repartir.
Ah oui, je joue à la manette, hein, c'est pour ça que c'est deux de tension. Alors, on a 18 000 dans l'autre, donc déjà il faut une de paille. Alors attendez voir. Ah non, attends, je dis des conneries, c'est 2 500 ces bottes. Donc il faut deux de paille. Attendez, on va faire un truc. Mon bordel fait 18 000, la botte fait 2 500. Donc si je mets deux de paille, ça fait 5 000. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Ça fait 5 000. Si j'en mets 3 d'herbe, ça fait 7 500. 7 500 plus 5 000, ça fait 12 500. Et si je fais 18 000 moins 12 500, ça fait 5 500. Dans silage. Ça va être un peu showtime. Non, ça va pas le faire ce mélange-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux. On va mettre deux bottes de paille dedans. Ça, c'est clair. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux bottes d'herbe. Et on va regarder si ce que notre mélange y donne, quoi, tout simplement. Voilà, ça c'est dedans. What? Oh non, putain, c'est un mode ça? Oh merde! Putain, elle est buggée celle-là. Fais chier, j'ai niqué deux votes pour rien. Bon bah écoutez les amis, on va être obligé d'aller chercher la mélangeuse. Oh les boules, putain! Ah, ça m'emmerde. Alors oui, pour ceux qui... Désolé pour ce contretemps. Ça peut être le gyro. Alors pour ceux qui me disent, ouais, mais LSA, t'as vu qu'il y a un pack de grosses mélangeuses qui sont sorties. Alors oui, je le sais, hein. Ça, je le sais, parce que je les ai téléchargées, d'ailleurs, déjà testées. Par contre, moi, je m'en sers pas sur la limousine, parce que voilà, on n'est pas une grosse exploitation. Ça, c'est typiquement des mélangeuses qui vont sur la map la Vallée de l'Orge, par exemple, tu vois. Là, c'est typiquement, t'as 300-350 vaches, t'arrives avec ton bordel de 42 000 litres, boum, t'envoies du lourd, tu vois. Ça, c'est parfait. Mais pour la limousine, celle de 18 000 suffit amplement, quoi. Oh putain, ça me fait chier. Alors du coup, je vais poser la manette tant que je me sers pas du chargeur. Parce que bon, ben, écoutez, on n'a pas de choix. On n'a pas trop le choix, donc on va chercher cette machine. Ah oui, j'ai une benne là, qui attend comme une conne. Faudrait que je la range celle-là aussi. Voilà. Parce qu'en fait, cette cune que j'avais en mode, c'est une qui prend le mélange total. Mais visiblement, quand tu mets d'autres choses dedans, ben je sais pas, ça marche pas. Donc bon, bref. C'est pas grave, hein, on va prendre celle d'origine, on va refaire. Donc on va mettre deux de foin, deux de paille. Et on va combler en maïs en silage et on verra déjà ce que ça va donner. Ouais. On n'a pas trop le choix. Putain, ça c'est les boules maintenant. Ça m'énerve ça. Ah, j'ai une botte. Ah putain, celle-là, faudrait que je la ramène, tiens. Je vais la ramener un peu plus tard. Ouais. Ça, c'est des boules maintenant. Bon, écoutez, c'est des aléas, hein, parce que je l'avais pas. Mais il me semble que je l'avais testé, cette putain de mélangeuse. Ah non, je l'avais testé au mélange total. Je l'avais pas testé en voulant faire du mélange total. D'accord. Bon, bah écoutez. C'est pas grave. On va faire avec, hein. Écoutez, c'est les aléas. Non, il y a le classe qui est là. Hop, là, un portefeuille, tout va bien. C'est les aléas du métier. Hop, impec. Ah, on n'a pas ça qui est fini aussi. Bon, c'est pas grave. C'est bon. On va accélérer le temps. Il y a combien de fertilisation, lui? Enfin, de fertilisation, de fermentation plutôt. Ah, bah il est fini.
Voilà. 143 000. Nickel. Bon, je reprends ma manette. Et on recommence. C'est clair que de la paille, il va falloir que j'en fasse encore. Hop. Bon, j'en ai qu'un petit peu, mais il va falloir quand même que j'en stocke. Je préfère en avoir un peu plus. Mais non, mais c'est quoi ce bug là? Mais pourquoi mes bottes elles font ça, elles passent à travers là? C'est quoi cette merde encore? Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Pourtant j'ai pas de mode. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Laissez-moi juste regarder un truc. Dis-moi pas que c'est les bots qui ont bugué, parce qu'alors là, je pète un plomb. Hein. Ben non, parce qu'elles vont dans la pailleuse. Que ça m'énerve ça maintenant. Oh vas-y, et toi bouffe-toi le poteau, magnifique. Ça m'énerve. C'est quoi encore le problème là maintenant? Putain de bordel. Pourquoi que ça me fait ça avec mes mélangeuses? En plus c'est celle d'origine du jeu. Hein. J'ai pas rajouté de mode sur la partie depuis un moment. Hein. Oh non, parce que si je peux pas nourrir les animaux avec les bottes, c'est bon quoi, je veux dire merde. Bon bah ça c'est la dernière tentative, hein. Si là-dedans ça marche pas, bah écoutez, je sais pas quoi faire, là je comprends pas. Là, je comprends pas du tout si jamais ça me fait ça. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Oh non, hein, parce que si ça me fait ça, si je trouve pas le problème, ce que je vais faire après la vidéo, je vais mettre une autre carte et je vais aller essayer qu'une autre carte. Si ça marche avec l'autre carte et pas avec celle-là, la limousine, c'est terminé, il faut arrêter, hein. Merde. J'ai pas rajouté de mode, rien, j'ai rien fait de particulier ou quelque chose qui aurait pu, tu vois. Non, j'ai rien fait du tout, donc faut arrêter. Non, bon bah tant pis, toi tu seras en bas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Ah, si. Ouf. Bon, dans celle-là, ça va. Donc maintenant, il faut que je refasse un calcul. Putain. Au moins là-dedans, ça va. Bon, alors, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bref. Celle-là fait 12 000. On va vérifier ensemble. 12 000 litres. Il faut que je fasse 2... Non. Ça fait 5 000. Ouais, c'est à peu près ça. Ça doit être à peu près ça. Bon. Super, magnifique, génial, incroyable, mais vrai, quoi. Ça fait 5 000 avec les deux.
Voilà. Ok, là maintenant le reste en maïs sans silage, ça doit être bon. Allez, on est parti, on va déjà voir. Oh, je suis nickel là en rapport de mélange. Bon, bah ouais, on est bon, hein. Donc c'est 2 de foin, une de maïs sans silage. Non. 2 de foin. Une de paille. Et le reste en maïs sans silage. Allez, c'est parti. On va en donner 2. Comme ça, on sera pas mal. Voilà. Salut, l'hôtel monte sur la barrière. Tout va bien, normal la vache, quoi. Donc, on va prendre la botte qui a foutu le camp là. Ah non, mais alors là, franchement, je comprends plus rien. Hein. Honnêtement, là, je suis. Ça m'énerve parce que putain, c'est une machine d'origine du jeu qui marche pas, quoi. Non, mais franchement, faut arrêter, hein. Faut arrêter le délire. Ok. On va en prendre 2. Voilà. Merde. Super. Bref. Voilà. Ok. On est parti. Là, on est toujours bon. Ouais, impeccable. Là, ce que je vais faire, je vais rentrer en marche arrière pour voir si elle donne du côté gauche, ça serait bien. Oh non. Oh, elle donne pas de ce côté-là. Peut-être que de l'autre côté, elle donne peut-être l'herbe ou juste l'ensilage, peut-être, hein, on va déjà voir. Ok, maintenant on va contrôler. Ratio mélangé, c'est bon. Maintenant, on va donner du maïs sans silage. Ouais, que du maïs sans silage. Bah, je voulais pas le faire comme ça. Moi, je voulais le faire au godet, mais bon. Bref, écoutez, au moins on peut les nourrir. On peut au moins les nourrir, c'est déjà pas mal. On va rentrer comme ça, on va déjà voir. Ce serait bien qu'elle donne du côté là où il n'y a rien. Ah ouais, nickel. Donc on en donne 2 également. Franchement, la vache qui se fout pas de ta gueule. Tu viens de lui donner de la bouffe toute fraîche et l'autre elle te bouffe de la paille quoi. Super. Hop, c'est parti. Hein? Bah oui, je veux pas te télécharger de l'ensilage dans le silo, je suis pas con, hein, merci. Et après, faut qu'on leur donne de l'eau. Avance un peu, voilà. Parfait. On va donner ça.
Ou on va reculer encore. Bah pourquoi maintenant qu'elle va là? Ah voilà. Déjà, hein, on remplit toutes les auges, hein, comme ça, ça fait un peu plus réel. Comme ça, elles ont à bouffer partout. On va dire ça comme ça aussi. Voilà, allez, on est parti. Donc celle-là, pour le moment, on va la ranger ben, ici. Voilà. Donc du coup, on va monter là-dedans. Hop. Donc là, on a juste besoin de leur donner de l'eau. Voilà, on va fermer, hein, on va faire à peu près mieux. Un petit peu plus réel. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti. C'est bon. On va leur donner deux fournées d'eau. Et je pense qu'on sera pas mal. Ouais, on sera pas mal du tout. Ça leur fera 30 000 litres d'eau. Elles auront de quoi s'hydrater, les vaches. Ah, allez, c'est parti. Voilà. Bon, pour donner de l'eau, on va... Merde. On va juste en face. Voilà. Impeccable. Allez. Hop. C'est parti, rempli. Du coup. En train de réfléchir à un truc. Les cochons, on va pas s'en occuper dans cet épisode. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je... Parce qu'il faut que je fasse de la paille. Hein. Alors attendez, je vais juste voir un truc. C'est bon. Tout combiné, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est parti. On va espérer qu'il fasse pas de conneries. Allez, on est parti. On va espérer qu'il fasse pas de conneries, c'est-à-dire qu'il se foute pas dans une haie ou je ne sais quoi. Et je vais rajouter le mode téléportation sur cette carte, ça sera bien pratique, je pense. Je l'ai essayé, ce mode-là. Oh, putain. C'est vrai que franchement il est sympa ce mode. Ah oui, maintenant je pense à un truc. Je reviens à un commentaire, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, qui avait dit ça sur une vidéo. Je crois que c'était sur la présentation des tracteurs JCB. Je disais qu'ils ne glissent pas. Et lui il me disait en gros, mais faut que t'arrêtes machin, prends un virage à 30 ou à 40 à l'heure, ton tracteur glisse aussi. Déjà c'est pas vrai, parce que tu prends un virage à 50 à l'heure avec un vrai tracteur, admettons. Tu braques aussi fort, tu glisses pas, tu te retournes avec le tracteur. Déjà pour commencer.
Donc non, un tracteur ne glisse pas, je suis désolé. Un tracteur, si tu te prends un virage à 50 à l'heure ou à 40 à l'heure, tu te retournes, admettons t'as une benne pleine, bah oui tu te retournes. Que là dans Farming, je suis désolé, c'est pas du tout comme en vrai. Là vous avez vu, j'ai pris le virage à quoi? J'ai pris le virage à 15 à l'heure peut-être. Maintenant j'ai pas regardé. Je suis parti en portefeuille, j'ai rien, absolument rien pu faire. Alors attendez voir. 30 000, 14 000, 25 000, 24 000. Bon, on est pas mal. Hop. On va te laisser là, toi. On va sauter dans mon... Là. Hop. On va ranger le petit merdeau. Merde, je pousse la pailleuse. C'est pas grave. Voilà, lui, on va le laisser là. Lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener... Merde. Hop, on va l'emmener à l'ETA. Oh non, on va pas l'emmener à l'ETA, on va tout de suite le mettre sur le champ. Oh bah à la rigueur, on peut peut-être s'en faire un petit peu là pour terminer cette vidéo vu qu'on va aller jusqu'à 40 minutes. Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vider le fast track, le JCB, le petit, là faut qu'on aille le vider. Enfin le petit, 230 chevaux, tu sais. Qu'on le vide parce que tout simplement, j'ai du sorgho dedans. Et là, je suis en train de faire du tournesol. Donc lui, on va le mettre en chemin gauche. Qu'après, c'est clair qu'un tracteur, en vrai, donc j'en reviens à ce que je disais, tu peux aussi glisser avec. Mais personnellement, ça fait 5 ans que je bosse dans le métier. J'ai jamais vu un tracteur qui glisse sur la route à cause d'une... comment dire, à cause d'un truc comme ça, quoi. J'ai jamais vu, perso. Voilà. Du coup, tu es où? Là, le voilà. Allez, on a 20 tonnes à vendre. Après, je veux dire... et là où je voulais en venir par rapport à ça, même si en vrai, admettons, quelqu'un a déjà vu un tracteur glisser, ce que je peux croire, hein, je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que sur Farming, il y a des problèmes de physique. Il y a des problèmes de texture et de physique de jeu. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans ma team, JB et Aurel qui sont mappeurs et qui, surtout Aurel, qui est vachement calé dans les scripts. C'est clair et net qu'il me le dit, il le voit, il m'a montré une fois un log, j'ai pris peur. Et je veux dire, en vrai, maintenant si tu veux parler réaliste, tu touches pas le volant, ton volant il te fait pas ça. Tu vois, par exemple. Donc ça se rapproche de la réalité, mais c'est pas réel, faut pas dire ça, ça je suis pas d'accord avec ça. Après, c'est vrai, je veux dire, c'est des problèmes de physique. Après, c'est pour ça que peut-être, hein, je l'espère, qu'après la grosse mise à jour qui va être pondue, là, normalement, dans pas longtemps, peut-être qu'après, hein, ça sera top, hein, ça sera nickel. Hein. Ce qui serait bien, honnêtement. Je veux dire, voilà, après, là où je disais que les tracteurs JCB ne glissaient pas, c'est comparé au début, quand le jeu est sorti, tu prenais un New Holland, tu prenais un virage, tu partais en couille, tu glissais, tu faisais des burns. Prends le pick-up. Le pick-up là d'origine. Trouve-moi un pick-up en vrai qui glisse comme ça sur du macadam, tu m'appelles. Alors ne venez pas me dire, ou la personne qui m'a dit ça vient pas me dire, ouais mais s'il drift avec, ça le fait. Non, je te parle pas de drifter. Je te parle, tu roules, tu tournes, tu pars comme ça en couille. Hop. Voilà. On est parti, ramenons l'argent. Impeccable. Ah bah maintenant je vois les vérins qui montent. Ça c'est bien. Allez, on est parti. Et JCB, ce que j'aime bien, c'est qu'il est proportionnel quand tu accélères. C'est pas genre tu roules et tout d'un coup, boum, t'as toute la puissance qui arrive. Non, non, c'est vraiment du proportionnel et ça je trouve ça sympa. Allez, c'est parti. Donc du coup, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener au tournesol à la New Holland. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 936. Et lui, on va lui accrocher la Ben Crosetto qui traîne devant le concessionnaire. Et on va l'emmener à l'autre moissonneuse qui fait le l'avoine. Comme ça, on sera tranquille. Hop, péda. Comme ça, on sera tranquille, ça sera fait. Allez, on est parti.
Ah, c'est vrai qu'elle a un joli relief, hein, cette carte, hein, franchement. J'ai rien à dire là-dessus. Petit coup de klaxon. Faire gaffe de pas perdre la remorque, ça sera encore mieux. Bah ça, c'est le problème des manettes de 360. Quand elles vieillissent, il faut appuyer après comme un gros bourrin sur les gâchettes. Et c'est ça qui fait que... Enfin, c'est pas que les manettes de 360, hein, parce que Bruno a une Logitech, je crois. Et ça lui arrive aussi tout le temps de perdre la remorque ou de perdre la masse. Ou... Parce qu'en fait, ce qu'il y a de traître, pour ceux qui jouent à la manette, ils savent, il faut appuyer sur RBA. Et en temps normal, quand tu appuies juste sur A, ça te permet de décrocher un outil, de vider une remorque ou autre, par exemple. Donc alors, attends, l'autre, elle est là-bas, je crois. Ouais. Elle est là-haut. Allez, nickel. C'est parti. Ah, j'entends une alarme dehors chez moi qui gueule. Ça risque pas d'être mes vieux clous, ils ont pas d'alarme. Voilà. Parfait. Lui, il est là. Nickel. Ah, te voilà, toi. Hop. On va aller chercher cette remorque. D'ailleurs, je pensais un truc. J'avais pas. Non. Non, il me semblait que j'avais rajouté un mode, une remorque, mais. C'est pas sur cette partie. Alors, ça doit être sur ma partie de la vallée de l'Orge en solo, peut-être. Voilà. On y est. Hop. Allez, on recule. Alors oui, je passe à travers parce que c'est la ferme limousine donc que j'ai modifié moi-même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé énormément de collisions. Je crois même que là, je l'ai fait. Peut-être pas, je sais plus. Non, là, je l'ai pas fait. Mais là, maintenant, ici, je l'ai fait partout. Surtout sur les petits poteaux de merde, là. Oh, je peux peut-être même enlever les ridelles parce que... Parce que, tout simplement, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer, là. Hop. C'est parti. Faut que je mette l'inspecteur aussi. Voilà, là on aura des bottes à faire, ça sera pas mal. Et ça sera des bottes qu'on ira aussi mettre chez les cochons en stock. Voilà. Fais-toi plaisir, décharge. Impeccable, nickel chrome. On va le laisser vider et puis nous on va s'arrêter là. Ah bah voilà, nickel. Que je récapitule. Non, ouais, voilà. Nickel. Bon bah écoutez les amis, moi j'espère que cette vidéo épisode 7 sur la ferme limousine vous aura plu. Je vous dis bah écoutez, à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde !